Attention, 3, 2, 1, on papote. Aïe aïe aïe, Gertrude, elle est dans une situation, mes enfants, t'as pas envie d'y être. Elle me dit, je crush sur un mec qui me drague plus plus plus. Je ne le séduis pas car il est en couple, mais mon dieu, je lutte. Oh, non, mais c'est quoi ce genre de connard là? Il y en a marre des gens qui sont en couple et qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller draguer ailleurs. Déjà parce que c'est pas sympa pour la personne qui est draguée, et ensuite parce que pour la personne qui est en couple avec cette personne qui drague, si jamais vous êtes pas ok sur le fait d'aller draguer quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple, bah c'est pas sympa non plus en fait. C'est complètement irrespectueux et pour tout le monde. Donc juste pourquoi tu fais ça gros? Si t'as envie d'aller draguer quelqu'un d'autre, quitte là ta meuf, comme ça t'es libre. Mais non, ce mec là qu'est-ce qu'il fait? Il reste en couple pour aller te draguer ma Gertrude. Et c'est là-dessus que j'aimerais t'ouvrir les yeux. Parce que je comprends bien le mec qui te drague, évidemment que toi t'es en mode ah bah d'accord, j'aime bien. Je comprends. Mais n'oublie jamais que le mec te drague alors qu'il est en couple. Donc c'est quoi son plan? Honnêtement, c'est de coucher avec toi et rester en couple avec la meuf? Ou alors c'est de quitter la meuf pour venir se mettre en couple avec toi? Ou peut-être les deux? Mais dans tous les cas, ma Gertrude, honnêtement, t'as envie d'être en couple avec quelqu'un qui fait ça? Parce que s'il te le fait pour toi, t'inquiète pas qu'il te le fera à toi le jour où tu seras en couple avec lui, si un jour tu es en couple avec lui. Ce mec-là est en train de te démontrer quelles sont ses valeurs. C'est-à-dire que lui, dans sa vie, la meuf avec laquelle il est en couple, qui est censée quand même être la meuf la plus importante de sa vie, du coup, il la respecte juste pas. C'est ça son plancher de valeurs à lui. La personne que je suis censée kiffer, en tout cas une des personnes que je suis censée kiffer le plus au monde, je ne la respecte pas. Pour kiffer, pour draguer. Donc si t'es ok avec ça, ma Gertrude, bah écoute, vas-y, continue, j'ai envie de te dire. Mais franchement, non quoi. Parce que tu sais, souvent dans mes vidéos, j'ai parlé de ce sujet-là. J'ai souvent dit d'ailleurs, et je le pense, que finalement, c'est pas toi qui es engagé, et après tout, bah tu peux y aller. C'est lui qui est en couple avec la nana, c'est pas toi. Mais bon, il y a aussi une question de valeur, une question de girl code aussi. On est ok, c'est pas toi qui es engagé avec la nana en question. Mais franchement, est-ce que t'as envie de faire ça? Et même pour ton petit cœur, hein. Parce que si il se passe quelque chose avec le mec, t'inquiète pas que tu vas t'attacher encore plus à lui. Donc moi je pense que t'as vraiment raison de lutter. Ne serait-ce que pour toi, ton amour propre et tes propres valeurs. Même si encore une fois, pour celles et ceux à qui ce serait arrivé de sortir avec quelqu'un qui est déjà en couple, c'est pas toi qui brise la confiance de l'autre. Mais bon, t'as compris. Dans tous les cas, ma Gertrude, tu n'as pas envie de tomber amoureuse d'un mec qui fait ça. T'as pas envie de tomber amoureuse de quelqu'un qui a ces valeurs là. Parce que là, qu'est-ce qu'il te prouve finalement? C'est qu'il est ultra égoïste. Les autres, ils s'en foutent, ce qui compte c'est son bon plaisir. Et les gens comme ça, bah ça se retrouve dans tout le reste en fait. Donc ma Gertrude, ouvre les yeux, ce mec est littéralement un connard. Donc si jamais il te plaît vraiment, moi ce que je te conseille de faire, c'est de lui dire, écoute gros, t'es en couple en fait, donc arrête de me draguer parce que tu vois bien, je te kiffe aussi, donc fous-moi la paix en fait, parce que là ce que tu fais, je trouve ça dégueulasse, et je vais te dire un bon truc, de toute façon, parce que tu fais ça à ta meuf, honnêtement, là je suis déjà en train de me dire que je voudrais jamais sortir avec toi. Je peux te dire que si tu lui dis ça, dans tous les cas, il va arrêter de te draguer, j'ose espérer, parce que sinon c'est vraiment le pire des connards, il va arrêter de te draguer, et soit il quitte sa meuf, il fait son deuil tranquillement, il revient te voir, auquel cas, bah tant mieux pour toi, même si... Attention quand même si tu te mets en couple avec lui parce que chien qui a mordu mordra, comme dirait l'autre. Soit il comprend qu'il n'y a pas moyen de moyenner, auquel cas il arrête de te draguer et il reste avec sa meuf. Ce qui risque d'ailleurs d'arriver. Parce qu'encore une fois, s'il avait dû se séparer de cette nana là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se serait séparé d'elle et il serait venu te draguer ensuite, comme font les gens qui respectent les autres, tu vois. Donc ma Gertrude, tu connais mon avis, coupe avec ce mec là. Ou alors avant de tout couper, histoire de pas être frustré, confronte-le. Dis-lui, écoute, pourquoi tu me dragues? T'es en couple, pourquoi tu me fais ça? Tu vois bien que moi ça me fait quelque chose. Et tu vois ce qu'il te répond. Au moins comme ça ce sera clair et puis t'auras pas trop à te prendre la tête. Mais ne reste pas comme ça après lui en mode oh là là, je lutte, oh oui, drague-moi encore, parce que tu te fais du mal. Tu te fais du mal et tu vas perdre. Parce que comme je te disais, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez coucher ensemble, il va rester avec sa meuf, ou alors vous allez coucher ensemble, vous allez vous mettre en couple, mais il va encore penser à son ex, parce qu'évidemment, un deuil de relation ça se fait pas comme ça. Et en plus, toi après, t'auras peur qu'il te refasse la même chose. Bref, t'as pas envie d'être avec cette personne-là. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire en commentaire, hein, à Gertrude ce que t'en penses, et à nous raconter d'ailleurs si t'as déjà vécu ce genre de situation, mais t'auras mon avis.